Ce résumé vous est présenté par Heineken et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Côté droit du club Bruges qui marche très très bien depuis le début de cette rencontre. Pas mal, elle est bonne aussi. Jutler, il peut garder. Ah, il y a pénalty là. Il y a pénalty, bien sûr qu'il y a pénalty. Et il va chercher le ballon. Non, mais il a raison. On en reparlera avec votre gamin, tiens, l'histoire de pénalty. Bon, cela dit, ils sont en train de le checker. Moi, j'ai quand même le sentiment, Cali, je vous donne ma version avant de voir le ralenti, que Jutler parvient à passer devant le défenseur en contrôlant le ballon, en le ramenant vers l'intérieur, et que là, il y a un contact qui me paraît fautif. Sur Jutler, effectivement, pénalty, très justement sifflé. Car oui, oui, il a raison. Il a raison, il n'a pas peur. Mais celui-là, c'est un castard, c'est un cador, c'est un matador. Magnifique, il prend ses responsabilités sur celui qu'on commet la faute. En temps normal, on dit toujours sur celui sur lequel on commet la faute. Ne tire pas le pénalty. Il est parti directement, il s'est relevé, il est parti chercher le ballon au point de corner pour récupérer ce ballon et dire à Van Aken, je vais le tirer, je prends mes responsabilités. Il a du bol. Il a du bol, Carmo, là. Oh, ah, ils sont dans le jeu. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Ça, c'est là, c'est là qu'il doit être là. C'est là qu'il doit être là, Mignolet. C'est là qu'il doit être là. Ça, pour moi, c'est le moment de la partie. Hein. 39e minute et 50 secondes. Retenons-là. Le petit pont de Silla. Et c'est bien fait, ça, avec Van Aken. Ils peuvent frapper. Allez. Ah, dommage. Dommage! Est-ce que Bruges pourra profiter des espaces qui vont lui être laissés? Comme ici par exemple, avec Van Aken, c'est bien joué. Il peut se retourner jusque là. Il passe ou pas? Compliqué. Il passe lui! Il y va! C'est goal! C'est goal! C'est le but de Solaire! 0-2! 0-2! Ils sont passés! On pensait que Jutler était en train de s'emmêler les pinceaux. Et finalement, c'est Soa qui passait par là. C'est génial ce qu'ils ont fait là. Mais très honnêtement, depuis le départ de cette seconde mi-temps, on sentait Bruges bien dans ses baskets, bien dans son foot, bien à Porto. Ouais, avec cette récupération ici qu'on voit effectivement de Silla qui sort. Meyer, oh, super. Bien joué. Ouais, pas mal. Allez, le troisième. Troisième de Skovolsen. Mais c'est une démonstration incroyable. Mais quel but. Mais c'est à se demander où on est. Où est-on? On est à Porto ou on est au club de Bruges? On est au Yard Bredel. C'est fantastique. Quel but du FCB. Mais c'est une première. Canilou, il faut remonter où pour voir un succès 0-3? Ben, n'allons pas trop vite. 1970. N'allons pas trop vite. Mais regardez d'où ça vient. On revoit ici cette remise de Van Aken. Meyer. Ce centre de Meyer. Ouais, Véron. Il a intérêt à se reprendre quand on fait des talonnettes comme ça devant son coach. Oups là! Il était surprenant, cet envoi. Eremchuk. Ouais, pas mal. Shoot. C'est une démonstration. Mais c'est une démonstration de Soa. Avec maintenant. Oh là 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 là! Oh là là! C'est oh non, pas possible! Rendu. Il garde le ballon, regarde. Carton, ça, bah, c'est... Oh, c'est beau. Elle est belle. Eh ouais. Allez, Nouza. Allez, en jeu. Allez, il allez, va. Pic, il va. Pic, oui, 4, il va, Nouza. Il la met. 4-0 du club Bruges. Oh, il est magnifique, ce but. Il est magnifique. 4-0 du Bruges, club Bruges est magnifique. Je n'ai jamais vu une équipe belge en Ligue des Champions jouer de cette manière. C'est dingue.
C'est complètement dingue. Extraordinaire contre Sessao, il n'en peut plus. Il ne demande qu'une chose, c'est que l'arbitre siffle la fin du match. Et on revoit cette action en une touche. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.